Hey, hey! Ciao, ciao les petits loups! Bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Ouais, j'ai une télécommande, hein, je suis pas magicien. On verra ça très très bientôt, j'ai très envie de vous montrer ces petites motos et je vous en offrirai une pour Noël, c'est clair, je vais essayer de voir ça assez rapidement, je pense dans la prochaine vidéo. Bref! Alors, tout le monde va bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes motivés. Dans cette vidéo, non seulement je vais vous parler d'un produit, vous allez voir, pas super emballé, mais bon, je vous avais promis de vous en parler, je vous en parle. On va également faire le tirage au sort pour le concours permanent. Alors, j'ai changé de tactique. Vous savez que pour le tirage au sort du concours permanent, je vous remets le lien de la vidéo pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Normalement, je tire une commande au hasard. Je l'affiche à l'écran et la personne doit se manifester, bien évidemment. Je vérifie que c'est bien elle et elle remporte un des deux cadeaux mis en jeu. Cette quinzaine, c'était la XLF F17 qu'on va voir aujourd'hui et la petite caméra Akaso 4K. Je lui laisserai peut-être le choix parce que vous allez voir que la XLF F17... elle est pas mal, franchement elle est pas mal, mais elle est pas ouf. Mais j'ai changé de tactique, donc pour le concours permanent, au lieu de tirer au sort une commande, je vais en tirer deux, voilà, pour laisser une chance supplémentaire. Je vais vous afficher, on va le faire tout de suite comme ça ce sera fait, je vais vous afficher à l'écran les deux numéros de commande et la date de commande, c'est pas la même date. Forcément, et c'est pas les mêmes numéros, mais comme ça il y a deux dates différentes et vous aurez deux fois plus de chances d'être tiré au sort. Et le premier des deux qui ont été tirés au sort, le premier des deux commandes qui reconnaîtra sa commande, qui ira vérifier et qui trouvera tout de suite que c'est sa commande, le premier à me mettre dans les commentaires « Tazou, c'est moi, c'est ma commande, tu m'as tiré au sort !»« Ouah, j'ai trop de la chance d'avoir gagné tout ça !» Le premier qui se reconnaîtra et qui me mettra le commentaire, puisque je mets toujours mes commentaires par ordre d'arrivée, du plus récent, bien sûr, donc je le verrai tout de suite, le premier aura gagné tout simplement. Donc, une chance supplémentaire. Alors, les deux commandes tiré au sort pour cette quinzaine du concours permanent, je les ai là, je les ai imprimés parce que je vais pas me souvenir de tout de tête, et les deux commandes, donc la première elle est du 3 décembre 2020 et la deuxième est du 20 décembre 2020, donc j'ai pris assez large, le 3, le 20, donc comme ça il y a une au début et une à la fin de la quinzaine, et les deux numéros de commande je vais vous les dicter. Mais quand je vais commencer à vous les dicter, pour que les deux aient la même chance, s'ils regardent la vidéo dès qu'elle sort, pour que les deux aient la même chance, je vais afficher les deux numéros de commande en même temps, bien sûr. Donc celle du 3 décembre 2020, c'est le numéro 93 52 91 04. 93 52 91 04, il s'affiche en dessous, en bas de l'écran. Et la deuxième commande, c'est le 92 82 28 58. 92 82 28 58, commande du 20 novembre. Pas du 20 décembre, du 20 novembre. Et la première, c'est du 3 décembre. Donc les deux numéros de commande sont affichés en bas de l'écran. Si vous êtes un des deux à avoir passé cette commande-là, dites-le moi rapidement dans les commentaires, dites « c'est moi, j'ai gagné, c'est WAM, tout ça !» et vous aurez gagné un des deux lots, et je vous laisserai choisir, bien sûr. Donc, voilà pour ce concours permanent, et je remettrai, bien sûr, une fois que j'aurai le choix du gagnant, il n'y a pas deux gagnants, il n'y en a qu'un, une fois que j'aurai le choix du gagnant entre les deux lots, je rajouterai un lot, bien sûr, pour qu'il y ait toujours deux à choisir, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de la petite XLF F17, la voici, la voilà, on va tout de suite attraper la boîte. La voici donc Power, 70 km/h, 1/14, batterie au lithium, 4 roues motrices, des amortisseurs bain d'huile, donc hydraulique, et un cerveau, bah oui, vaut mieux, sinon les roues ne tournent pas. Et là, Dieu sait qu'elles tournent bien les roues. Bref. Donc pourquoi je laisserai le choix au gagnant? Parce que je l'ai cassé. Ouais, je l'ai cassé. C'est pas grand chose. Il est où le petit bout? Je sais pas où il est, mais je l'ai. Je l'ai gardé. J'ai cassé un petit bout ici de l'aileron sur une petite cascade à 2,50 francs, franchement pas grand chose. Je voulais pas l'abîmer cette voiture, j'ai pas fait de gros saut avec. Vous allez voir, on va aller voir ensemble ce que j'ai fait pour tester. On va tester bien sûr la vitesse de pointe, on va tester la tenue de route, on va tester la puissance et l'autonomie. Alors l'autonomie, je vous le dis tout de suite, ça tourne entre 13 et 14 minutes, grosso modo, avec la batterie qui est fournie. Donc je vous montre tout de suite comment elle est livrée.
Tiens, j'ai ma petite mascotte qui est là. Ah bah tiens, j'ai même trouvé le bout d'aileron. Le bout que je cherchais. Ma petite mascotte, merci ma Franny, merci beaucoup. C'est mon nouveau copain, franchement, c'est mon nouveau copain, j'en suis fan. Franny, Pico, Z, Fran, Modélisme, c'est une amie de longue date, je peux le dire maintenant, depuis le début de mes vidéos. C'est une petite madame super gentille qu'on retrouve sur notre groupe, qu'on retrouve sur Facebook et qu'on peut trouver en ligne. Elle a un petit magasin, donc ça, c'est pas fait pour que je lui fasse de la pub. Elle me l'a pas demandé, elle ne me le demande jamais, même si son site est toujours dans la description de ma vidéo, dans mes copains. Vous trouverez le site picozfranmodelisme.fr, donc picozfran-modelisme.fr, pour aller voir son petit site en ligne qui vend des petits trucs radiocommandés, des petits jouets pour les enfants, etc. Vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà, elle prend soin de tous et de tout, donc vous pouvez y aller avec confiance. En tout cas, ma Franny, je te fais des gros bisous. Je sais que c'était pas fait pour un coup de pub. Il y avait en plus une petite boîte de chocolat, tu sais qu'il m'en faut pas, mais ils étaient très très bons, on n'a pas pu attendre de Noël, ma fille et moi, on les a déglingués, t'as vu. Bref, mon nouveau copain, je vais l'appeler Franou, c'est mon petit Franou, vous vous en fichez, moi je m'en fiche pas. Merci à toi, je te fais des gros bisous. Donc la XLF F17, la Speedix, vous sera livrée avec, alors il y a une belle petite notice, franchement, voilà, petite notice en couleur, papier glacé, c'est plutôt bien expliqué, même si ça reste de l'anglais, bien évidemment. Donc c'est assez bien expliqué, en même temps c'est assez simple d'utilisation. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'options sur la radiocommande, malheureusement. Et vous avez les éclatés un petit peu pour, si vous voulez démonter ou changer des pièces. Et vous avez aussi à la fin encore du référencement pour pouvoir commander de la pièce détachée. Vous aurez aussi avec des petits accessoires ici. Oh là, il y en a plein. Des petites goupilles de roues. Alors ça, c'est bien parce que ça nous arrive d'en perdre. On aura également, hop, deux petites goupilles de fermeture ici. Au cas où vous perdez celle de la coque, ça c'est bien pensé aussi. Une petite croix métallique ici pour pouvoir démonter les roues, un tournevis cruciforme et un petit chargeur pour la batterie 2S qui vous est livrée. Ah oui, ce petit chose aussi, je vous en ai pas parlé, c'est une petite pièce de remplacement pour l'arrière. Alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'on va la casser régulièrement? Je ne pense pas puisque c'est pas la plus exposée. Mais voilà, vous avez une petite pièce de plus comme ça à l'arrière. Alors est-ce que par hasard on pourrait pas la mettre? Oh si, j'ai l'impression que ceux qui veulent retirer le bumper ici, ils peuvent ajouter cette petite pièce simplement à l'avant. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais bref, c'est fourni avec. Donc cette petite XLF F17, donc un 14e, bah écoutez, plutôt sympa d'aspect, d'esthétique. On voit qu'il y a énormément de pièces métalliques. On a un châssis métallique. On a des bras ici en aluminium. Toutes les petites barres ici et rotules sont en métal avec des embouts plastiques. Des rotules vissées, comme je vous avais expliqué. C'est pas comme sur WL Toy où là on a des rotules clipsées. Donc là on aurait aimé aussi, mais bon, on va pas tout avoir. Mais comme on voit, beaucoup de pièces métalliques. Donc ça c'est plutôt sympa à première vue, puisque c'est généralement les pièces qu'on upgrade quand on achète des kits upgrade. Celle-ci vous est livrée upgrade complètement. Les amortisseurs sont bien réglés d'origine, ils vont bien au bout, ils font bien leur taf. Comme vous le voyez, à l'amorti, plutôt pas mal. J'ai perdu un caillou. Je le remettrai dans ma cour, je sais exactement où il va. On a des bons petits supports ici, assez épais, environ 3 mm pour les supports d'amortisseurs, pour les amortisseurs. Donc bien fini à première vue. Elle vous est livrée avec 4 roues supplémentaires. Vous avez donc ces roues d'origine, les mêmes que la WL Toy 14-4001. C'est exactement la même taille. Et vous avez aussi des pneus et des roues beaucoup plus grosses ici, énormes. Je vous l'avais montré, tiens, vous allez voir ce que ça donne une fois monté. C'est assez simple, voilà, c'est énorme. on gagne environ, avec les grosses roues, 10 à 11 km/h, 10-12 km/h en mettant des grosses roues. Puis c'est logique, hein, puisque le développement est plus important. Donc vous avez le choix, voilà, soit vous l'équipez en routière, ici, spécialement pour les drifts, etc. Soit vous allez l'équiper en off-road pour pouvoir passer sur de l'herbe, des gros cailloux, etc. Ou du sable, mais bien évidemment, plus, si on est sur du sable, il vaut mieux des grosses roues. Donc, quand je l'ai déballé, j'étais quand même super content, parce qu'il y a pas mal d'options. Que ce soit les accessoires, les pièces détachées, etc. J'étais plutôt content, je me suis dit, on a un beau petit monstre entre les mains. Et vous allez voir, c'est pas tout, donc là... Je vais l'ouvrir. Tadam ! Donc petite coque, pas fragile, puisque il n'y a pas grand chose qui touche. À peine le dessus quand on fait des tonneaux, comme vous le voyez, c'est un peu rayé. Mais bon, vous risquez pas de casser la coque, je ne pense pas. Et à l'intérieur, on a un petit moteur brushless 2847 en 3000 kV. Et un ESC brushless, bien sûr, qui a le récepteur intégré.
avec une toute petite antenne. Et ouais, vous allez voir, c'est un problème également, parce que j'ai relevé quelques problèmes avec cette petite voiture. On voit qu'on a un axe énorme ici, c'est une des 1/14e avec l'axe le plus gros que j'ai trouvé, l'axe central de transmission. On a un cerveau bien puissant qui envoie bien, vous allez voir, qui envoie trop, j'ai envie de dire. Bref, un beau petit montage. En l'occurrence, je vous dis, même là, une fois que j'ai eu ouvert la voiture, je me suis dit, mais franchement, bien, on va s'amuser, on va franchement s'éclater. Avec, vous avez une batterie 2S fournie, 1600 mAh, donc plutôt pas mal, qui vous donne environ 15 minutes d'autonomie. Donc voilà, environ. Je vous dis, ça dépend comment vous roulez, si vous êtes toujours à fond, ça vous fera plus 12, 13 que 14, 15, ça c'est clair. Et on a également une petite radio. Reste avec moi, Franou. Vous avez également une radiocommande, alors simplissime. On aurait aimé moins de LED et plus de boutons. LED rouge et verte, pour vous connecter tout simplement. On va faire la mise en route ensemble, vous allez voir. Un bouton power on-off, tout bêtement. Un petit guidon ici avec un petit bout de mousse, ça c'est plutôt sympa. Et l'accélérateur, freinage et marche arrière comme d'habitude. Elle fonctionne avec 3 piles LR06. Et on a un seul et unique bouton qui est là pour régler le trimming, tout simplement pour régler l'alignement des roues. Vous le savez, vous allez tout droit sans toucher au volant. Et si la voiture dérive un peu à droite, vous tournez un peu à gauche et lycée de Versailles, j'ai envie de dire, vice versa. On va faire la mise en route tout de suite. Donc d'abord, on allume la radiocommande. Ensuite, on branche la lipo. Tac, tout simplement. Et on va allumer la voiture. Elle est contente. Donc voilà, la voiture est en route. Donc là, on peut vérifier qu'on a bien le contrôle. Alors comme je vous disais, le cerveau répond vraiment bien. Vous voyez, on a vraiment de la puissance sur le cerveau. Ça force pas un poil. Mais il y a un gros défaut sur cette voiture. Je vais vous en parler tout de suite et juste après, on va aller tester. J'ai pas envie de m'étendre beaucoup plus sur le sujet de cette voiture au niveau de la description. Vous voulez voir comment elle accélère? Allez, je vous montre en 2S. Bon, voyez, ça marche. Ça, c'est sûr, ça envoie. Sachant que c'est du brushless, j'ai testé, ça fonctionne. On va tester ensemble, vous allez voir. La 3S, donc la 3S, ça marche aussi. Vérifiez simplement la température. Moi, j'ai vérifié en fin de course avec la 2S, au bout d'environ un quart d'heure de jeu. Et le moteur était chaud, mais on pouvait laisser les doigts dessus. Je vous explique dans la vidéo comment je fais pour la température, voir si c'est trop ou si ça va. Donc, ça accepte le 3S. On va pouvoir rouler en 3S et on va avoir beaucoup plus de puissance, bien sûr. J'ai juste pas testé la 3S avec les gros pneus. J'ai pas testé non plus les sauts, les gros sauts avec cette voiture, même si on doit pouvoir en faire. J'ai pas testé pour deux raisons. La première, c'est que je voulais vous offrir cette voiture pour le cadeau du concours permanent. Donc je le fais toujours. Si la personne est intéressée par cette voiture après avoir vu la vidéo, il n'y a aucun souci, il aura cette voiture. Il manque juste un petit bout d'aileron ici. J'essaierai de le recoller vite fait parce que je l'ai gardé. Mais ou alors je fais une découpe là, droite, comme ça, tac. L'aileron sert pas à grand chose, je vous rassure. Et la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fait de saut, c'est parce que elle manque de précision. Elle manque grave de précision. Et vous savez que sur un saut, la principale caractéristique, c'est d'arriver droit pour pouvoir sauter. On l'a vu plusieurs fois sur des terrains en terre, par exemple. Si la voiture chasse sans arrêt avant d'arriver sur la bosse, vous ne pouvez pas prendre la bosse comme il faut. Et le saut, s'en retrouve complètement désharmonisé et complètement de travers. Donc c'est très très dur. Et vous êtes sûr de péter quelque chose si vous partez en vrille tout de suite. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai pas fait de saut. Parce que cette voiture a vraiment un souci au niveau de la direction. Je ne sais pas si c'est dans le concept, mais à mon avis, c'est au niveau du rapport radiocommande-cerveau. Il manque sur cette radiocommande, selon moi, un bouton pour régler l'amplitude, au moins de la direction, où il manque de l'expo. Parce que quand on compare par exemple à la petite WLTOY qu'on a testée il n'y a pas très très longtemps, celle-ci est hyper maniable. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir les deux le même jour, j'ai testé les deux le même jour sur mon parking, et là, la différence était monumentale. Si vous prenez la petite WLTOY, vous faites ce que vous voulez avec, vous l'emmenez où vous voulez, elle est ultra précise. Et quand on met dedans, elle envoie, ça c'est clair. Celle-ci, vous allez voir, dès qu'on touche un tout petit peu au volant, et avec la vitesse, c'est amplifié en plus, tout de suite, les roues réagissent beaucoup trop vite, et la voiture, à savoir si c'est à cause de sa taille, de son faible empattement, enfin de sa faible longueur, la voiture, tout de suite, a tendance à se mettre en crabe, à partir en vrille.
et elle est donc super difficile à piloter. Les endroits où j'ai eu le plus de facilité à la piloter, c'était soit sur gravillon, parce que là c'est un peu moins précis, vous driftez dans tous les sens, mais ça reste très peu précis. Par exemple, pour prendre sur une largeur de 1 mètre, prendre son élan pour faire un saut, c'est très compliqué, parce que dès que vous allez accélérer, la voiture va partir un petit peu en crabe, et c'est vraiment pas facile à manier. Ou alors sur route mouillée. Voilà, sur parking, quand il est mouillé, bah c'est vrai que ça drifte là. Là, c'est un peu moins, on a moins besoin de précision au niveau du volant, donc c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, je regrette énormément sur cette voiture, malheureusement, parce qu'elle a la pêche, vous allez voir, elle est plutôt bien équilibrée. Elle en voit bien, elle a surtout un très bon rapport de couple au départ, et on a envie de faire du saut avec, surtout équipée avec les grosses roues, on a envie de faire du saut avec cette voiture, mais franchement je le sens pas, voilà, je le sens pas de faire du saut, je vous dis, par manque de précision. Donc trêve de blabla, on va tout de suite aller voir ce que j'ai fait un petit peu comme essai. Vous allez voir ce qu'elle vaut, ce qu'elle donne. On va voir les vitesses de pointe en 2S, en 3S, avec des petits pneus, avec des gros pneus et tout ça et tout ça. Et on revient juste après pour le final. Bon, c'est parti pour le premier petit test de vitesse. J'espère qu'elle va rester bien droite. C'est nerveux et vachement réactif quand même. Est-ce que je vais réussir à maintenir la trajectoire déjà? À peine on touche au guidon. Ah, c'est chaud de maintenir la trajectoire. Avec les grosses roues, c'est encore plus dur. Ah, là, là, c'est dingue. Ah ouais, la trajectoire est dure à maintenir, hein. Ah, c'est impressionnant, elle part en crabe assez vite. Bon. Ouais, c'est vraiment chaud à maintenir. En tout cas, sur route, c'est super chaud à maintenir. On va aller voir un peu sur gravier. C'est sûr qu'elle est ultra maniable. Elle a un bel angle de braquage. Mais par contre, avec les grosses roues et le faible empattement, ça bouge beaucoup trop. Dès qu'on touche au volant, ça sera certainement plus facile à maintenir sur gravillon. Elle touche même pas la route. Regardez. On est sans arrêt en train de contrer. Oh là 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 là, c'est dingue.
arrache bien, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle est dure à maintenir. Donc dans l'herbe, ça passe sans problème. C'est peut-être là qu'elle est presque le plus facile à contrôler. Carrément. Ah, elle est vraiment chaude à maintenir. Ah, elle dévie très rapidement. Oh là là, dès qu'on y touche, c'est impressionnant, elle part à l'équerre pratiquement. Ah, ça va pas être facile. La direction est beaucoup trop nerveuse. Oh là 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 là. Ouais, vraiment pas très agréable à piloter, hein, franchement. Hop là. Faut que je vérifie la caméra. On aura eu le top speed en tout cas, je pense. Stop. Read. Alors on est à 42 km/h en 2S. Ah, c'est correct, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en 3S, on peut atteindre, je pense, les 60-65 km/h. Mais par contre, ouais, j'ai pas confiance du tout. Bon, je pense qu'elle passe à peu près partout avec ses gros pneus, c'est clair. Et ben voilà, ce que je ne voulais pas est arrivé, j'ai cassé un petit bout d'aileron. Par contre, ouais, c'est clair qu'elle passe des obstacles, regardez. Elle est passée. Bon allez, on va lui mettre des petits pneus, on va voir si ça change quelque chose. Donc, ben, nous voilà avec les petits pneus. On va tout de suite mettre en route le GPS. Start. Ah, vraiment un super couple. Et le problème, c'est... la tenue, vous voyez, si je garde l'accélération, elle va à peu près droit. On va longer. Ah, c'est dur. Il devrait y avoir un réglage d'amplitude. C'est vraiment ce qui manque sur cette voiture. Le problème, dès qu'on a un peu de vitesse, je règle un petit peu. Dès qu'on a un peu de vitesse, à peine on touche au volant que la voiture part. Donc là, à fond en 2S. J'ai l'impression que la portée est pas extraordinaire. Hein. Là, je suis à peu près à 50 mètres, 60 mètres. Vous voyez, elle réagit plus exactement. Elle réagit plus trop bien. Vous voyez. Je lève. Ça y est, j'ai récupéré le contrôle. Ouais, elle n'a pas une grosse portée. Beaucoup moins impressionnant tout de suite, hein, avec les petits trous. On va regarder à combien elle est. Stop. Read. 31 km/h. Donc ouais, c'est un petit joujou bien nerveux. Donc il y a moyen de beaucoup plus s'amuser avec les petits trous en drift. C'est malheureux à dire, mais c'est plus facile de garder le contrôle quand on garde l'accélération.
que dès qu'on veut piloter normalement, ça réagit beaucoup trop vite. Vous voyez, je touche à peine. C'est vraiment beaucoup trop réactif. C'est quoi en 360 là? Allez, on va quand même se faire un petit test en 3S. Parce que selon moi, elle accepte le 3S. Par contre, j'ai l'impression que ça chauffe un peu. J'ai vu tout à l'heure en fin de batterie 2S, la batterie d'origine. Bon, ça va, c'est tiédos. Donc celle-ci, pour moi, ouais, elle accepte hein, la 3S sans problème. Par contre, il faudra vérifier à mi-course, vérifier toujours la température moteur, température de l'ESC, de façon à ce que ça chauffe pas trop. En fait, la température, quand vous mettez la main dessus, il faut que ce soit supportable, faut que vous puissiez laisser les doigts dessus. À partir du moment où vous devez retirer les doigts parce que ça brûle un peu, c'est que là, vous êtes en surchauffe. Hein. Pareil, là, je mets la 3S, le moteur chante, le ESC chante, ça veut dire que c'est tout bon. Si vous avez un ESC qui chante en 2 et qu'en 3S, ça chante plus, retirez votre batterie. C'est parti. Alors, on va relancer le GPS. Prêt? C'est parti. Et bien ce petit GPS là, je remettrai le lien dans la description bien sûr. Donc là avec les grosses roues, j'essaierai même pas en 3S. On voit qu'elle s'écrase bien sur l'arrière quand on accélère. Chaud à maintenir. Je décélère doucement et là j'ai plus le contact. Et ouais, ça va trop loin. Est-ce qu'elle est l'antenne? Ah, ça mériterait d'avoir un meilleur récepteur quand même. Hein. Ou une meilleure radio. Donc il faut rester dans les 50 mètres autour de soi. Opé! Ouais, donc en 2S, elle est déjà dure à manier. Les freins fonctionnent bien, l'accélération est bonne, les amortisseurs sont top. Par contre, je regrette vraiment... Vraiment, c'est la réactivité du volant et de la direction. Allez, on va retourner sur le parking. On va vérifier la vitesse quand même. Et on pourra rajouter 10 km/h si on met les gros pneus, bien sûr. Vide. 46 km/h, donc environ 56-60 km/h, on va dire, avec les grosses roues en 3S. Moi, bon, je m'en doutais. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle marche bien, cette petite voiture, mais ouais, problème de réactivité au niveau de la direction. Rien que pour ça, je la conseillerais pas trop, surtout à un jeune qui va avoir pas mal de mal à la piloter. C'est bête parce que le reste est bon, hein. Ça se trouve, elle peut être excellente, mais bindée sur une autre radio, sur une radio réglable. Pouvoir y mettre de l'expo. Allez, en 3S, ça l'arrache vraiment. Faire un petit départ arrêté. Ouais, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment une belle petite bombe. Ouais, problème encore de distance. Ça y est. Avec le drift, c'est excellent, hein, mais très dur à manier.
Allez, je vais vérifier la température moteur. Ça m'intrigue. Voir ce que ça donne en 3S. On a fait des belles poussettes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Puis en plus, il fait plutôt frais. Donc là, ça chauffe pas. Ah, ça chauffe quand même pas mal, hein. Ouais, le moteur est assez chaud. Le SC, ça va encore, mais le moteur est assez chaud. Donc ouais, si vous tournez en 3S, essayez de ne pas dépasser 40-45C. Et puis faites pas des sessions trop longues. Allez, ça ira pour le test. Donc voilà les amis, nous voilà revenus avec la petite XLF F17. Donc comme vous l'avez vu, je vous l'avais expliqué, vous l'avez compris je pense, vous l'avez vu dans les images, super difficile à piloter. C'est pas pour moi à mettre entre les mains d'un enfant de 12-14 ans, parce que franchement il y a de grandes chances qu'il l'abîme rapidement, surtout s'il veut taper dedans. On va vouloir mettre du 3S en plus pour gagner en vitesse, et plus on gagne en vitesse, moins on gagne en précision. Donc voilà, c'est dommage j'ai envie de dire, parce que super bonne petite caisse, les amortisseurs sont bien réglés, ils sont bien remplis d'huile comme il faut, les transmissions ça va, il y avait du gras dans les transmissions, j'en ai démonté qu'une, j'ai vu comment c'était fait, et j'ai pas eu besoin de démonter la deuxième, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs on l'entend, hein, quand on l'a fait tourner, on n'a pas ce bruit de claquement, etc. Donc on sent qu'il y a du gras. Donc bien préparé, bien livré, il y a des accessoires, il y a des pièces détachées, des options, franchement je trouve ça super sympa. Si vous cherchez une petite voiture qui a la pêche, qui va un peu dans tous les sens et pour mettre la banane sur du gravier tout ça, oui, vous pouvez y aller. Si vous cherchez une petite voiture avec un peu de précision pour pouvoir faire du pilotage avec des petits cônes, etc., laissez tomber, vous allez vous enquiquiner, vous allez frustrer l'enfant avec ce genre de choses, ça c'est sûr. Mais rassurez-vous, j'ai plein de choses à vous montrer pour les enfants, ça va venir. J'ai hâte de vous montrer. Donc voilà, pour finir avec cette petite voiture, je vais pas lui mettre une grosse note, parce que pour moi, vous allez me dire, il n'y a qu'un vrai problème, c'est le pilotage. Mais c'est un énorme problème quand il s'agit d'une voiture, parce que le pilotage sur une voiture, c'est quand même le béaba, j'ai envie de dire. Donc, difficile pour moi qui ai l'habitude de piloter, donc imaginez avec quelqu'un qui débute réellement. Donc voilà, j'ai pas tendance à la conseiller si vous cherchez encore une fois quelque chose de précis et de vraiment maniable pour piloter entre des cônes sur un circuit, etc. Voilà, je donne pas cher de sa peau sur un circuit de buggy, hein, par exemple. À mon avis, vous arriverez à faire un tour quand les autres en auront déjà fait 3, même si elle envoie du pâté, vous allez être obligé de redresser sans arrêt. Donc voilà pour ma revue sur cette petite XLF Speedix. Donc ouais, pas une grosse note. Allez, peut-être un 16, parce qu'elle est vraiment bien livrée et bien accessoirisée, bien équipée. Mais je vous dis, je lui enlève quand même pas mal de points à cause de ce problème de direction. Voilà, il manque de l'expo sur la radiocommande. Quelque chose pour que ce soit plus doux, qu'on puisse beaucoup plus manœuvrer. Vous avez compris, je pense. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire qu'il reste quand même pas mal de choses à voir, j'ai reçu pas mal de petites choses à vous montrer, je préfère rien vous dire pour l'instant, mais il y a du beau matos et il y a des choses rigolotes à voir ensemble pour les grands et pour les petits. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et puis prochaine vidéo, tirage au sort pour gagner le petit IMAX Nano Hawk, bien sûr, alors à samedi j'espère. Là-dessus, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.